Bien bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringy. Aujourd'hui on est sur Empyrion comme d'hab. Comme d'hab, on change pas, on aime ça. Allez, on y va tout de suite, on fonce. Et ben nous voilà de retour les amis, on est sur la lune. Et puis y a pas grand chose, j'ai juste un mineur pour du magnésium qui est ici. Cobalt, c'est des petites ressources, donc on va partir d'ici, on va aller dans un autre endroit. On va poser du mineur sur des mines de pataxil. Ce serait plus sympa. Ce serait quand même plus sympa. Et puis bah écoutez, on est départ, hein, tout est allumé. Et on est parti, je suis venu finir de démanteler une petite base vite fait. Bon, avec les propulsions, on voit rien. Il est pas mal ce petit vaisseau, j'aime bien, plus intéressant que d'habitude, il est assez compact. Il était pour l'Antares, il y avait une grande soute à l'Antares pour rentrer, mais il était trop quand même encore. Attends, il est pas énorme en hauteur, mais il rentrait pas, donc c'était un peu tristouné. Donc par contre, ces grands vaisseaux mères, ils ralentissent quand même. Je sais pas si l'aérodynamisme fait quelque chose, mais il ralentit quand même. Mais je suis encore en actif, bien sûr. Ralenti quand même. Ralenti dans l'espace. Donc je confirme, j'ai essayé. Je m'excuse pour le micro. J'essaie de miner ma base avec mon canon outil, celui de gauche, vous voyez, un peu tourné. Mais même sur une planète, même s'il n'y a pas d'atmosphère, ça ne marche pas. C'est uniquement les tourelles de minage. Multi-outils, c'est uniquement dans l'espace. Je m'excuse, en plus j'ai oublié mon sucre, ça va être terrible. Donc on va bouger, on va partir un peu de l'autre côté, hein. On va pas repartir là, donc on va aller direct, celui-là je sais pas si je dois aller visiter, si. Donc la toute dernière, je suppose que c'est celle-ci, que c'est celle qu'on n'a pas encore visitée, celle où il y a l'érythrium. Manifestement ça doit être le cas. Donc on va aller à Kefell, on va récupérer nos petites ressources, dans la petite lune aussi, on va poser un mineur là-bas. Et puis, puis après peut-être on ira au shop. Peut-être qu'on ira au shop. La station, la grande station. On verra ça. Allez, zou. En première chose, on va aller sur la lune si on n'est pas trop loin, bien sûr. L'écran il bug un peu. Hein. Voilà. La lune elle est là-bas. On va aller se foutre par là-bas. Écoute, il va avoir 4 réacteurs, les plus gros là, les tout gros, les rouges là. Ah non, c'est même pas les rouges, c'est les bleus ceux-là. Attendez, je vais voir ça. Je crois que c'est les bleus. Ah ouais, c'est les bleus, c'est même pas les rouges. Bon, je devais peut-être pas avoir assez d'argent ou je voulais quelque chose de compact, donc. C'est pas les tout gros quoi. C'est quasiment les tout gros, mais c'est pas les tout gros, pardon pour le bruit. Et puis, bah écoutez, on va aller sur la Lune d'abord. Vu qu'on passe près de notre petit satium d'astéroïde, on va le bouffer un petit peu. Il n'y a rien qui pop là dans le coin. Par contre, les astéroïdes, je vous avais dit, il me semble déjà, mais je vous le redis encore. Il y en a toujours, mais c'est uniquement sur les Lunes. Sur les planètes, il n'y a pas d'astéroïdes qui tombent. Donc c'est que sur les lunes, et puis c'est tant mieux quand même, ça permet d'avoir des ressources. Bon, ça sera toujours les mêmes ressources du système, on va dire. Ça sera pas des ressources étrangères au système. Ça c'est certain. Ou ce sera peut-être que certaines ressources, je sais rien. Je sais que j'avais du... Je sais pas, c'était du pentaxile. Hein. Oui, du pentaxile, ouais, un astéroïde de pentaxile que j'ai miné un peu sur une lune, je crois que c'est celle-ci. C'est dommage, j'ai pas le canon, on peut pas utiliser le canon de minage pour le démanteler, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Par contre, mettre les gaz tout le temps, c'est chiant quoi. Non, une fois que c'est lancé, c'est bon, c'est peut-être moi qui avec le frein qui faisait de la merde. Ouais, une fois que c'est lancé, c'est bon, ça tourne. J'ai oublié le frein automatique. Donc on va laisser descendre, on va courir, on va aller un peu à notre petite astéroïde.
Et on va aller baiser des mineurs sur notre petite lune où il y a du pentaxi, on n'a pas des masses, mais on va poser 2-3 mineurs. Et puis après on verra comment ça se passe. Il est pas très beau, hein. Il est vraiment pas très beau. Hein. Il y a les lumières qui sont allumées devant. Pour le minage, c'est plus sympa, c'est plus mieux. Mais voilà, je peux les éteindre. Hein. J'ai les interrupteurs à l'intérieur. Je vais les éteindre. Bah, ça m'est pas utile tout de suite. Donc le positionnement est important quand on est avec des vaisseaux comme ça pour être. Ces tourelles, elles font pas des 360. Hein. Donc faut se profiler quand même au mieux. Vu que la tourelle outil c'est celle de gauche, celle de droite c'est le mineur. Je vais passer en vue intérieure, comme ça je verrai, ça m'évitera d'entrer dedans. Toc. Il y a les feux. On est bon! Donc déjà je vais éteindre mes lumières. Je vais éteindre les projos. Les projos ils sont là. Non, c'est pas ça, faut faire comme ça. Voilà, il n'y a plus de lumière. Là, on va faire un propulseur tourelle. On est OK, on va dans statistiques. Donc il y a déjà des groupes créés. J'en ai recréé un, vous voyez, lumière, minage. Et là, j'ai créé le groupe minage pour avoir mes tourelles à proximité rapidement. Sans être obligé de chercher dans toute la liste. Et puis, bah, on arrose. Hein. Par contre, je suis quand même presque encore loin. Bon là les petits loulous, je suis sur la lune de la planète et une petite base qui m'emmerde, une petite base qui m'agace. Et vu que c'est pas un vaisseau de chasse ce truc là, on va essayer d'aller se le faire avec notre petit chasseur en espérant qu'il part pas en morceaux. Je suis bien chargé en carbu et tout, donc je vais essayer de m'aller le faire avec mon petit chasseur. Je vais quand même prendre un peu de graille. Et puis, on va essayer de se le faire avec notre chasseur. Je vais éteindre les réacteurs. Les tourelles, je vais laisser inactives. Et puis, on va essayer de se le faire avec le chasseur. Mais ça risque d'être quand même un peu compliqué, il me semble. C'est des tourelles vertes, des tourelles plasma. Et des tourelles rouges aussi. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ça risque d'être un peu compliqué quand même. Je crois que ça risque d'être un peu tendu. Hein. Elle est là-bas. Donc elle est juste là, près de deux gisements de premier de pentaxe qui m'intéressent. Donc on va essayer d'aller se les faire. Entendu, les portes ne s'ouvrent pas parce que je n'ai pas ouvert la porte. J'ai bloqué les interrupteurs. C'est pour ça qu'il faudra peut-être que je l'enlève ça. Des deux côtés pour le retour. On va essayer de se faire les tourelles rouges d'abord. Je ne sais pas ce que ça va donner, les petits loulous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça risque d'être quand même un peu compliqué. Donc mon vaisseau mère, je laisse là. Le gisement de pentaxe, il est là. La base, elle est là. Donc on a du chargement bien partout. Celui-là. Bien entendu, le machin il tire pas. Je comprends pas, je croyais que j'avais chargé des missiles là-dedans. On a que des tourelles, donc on va falloir qu'on s'efface à la mitrailleuse. Hein. Donc on va essayer de faire comme ça. On va foncer sur celle-là, on l'arrose.
réussir à résister à mon machin. Réagit, rechargé. Rester que d'un côté, les autres tourelles sont de l'autre côté. Je vais mettre au sol, il ne pourra pas me tirer dessus. Pas trop mal. Ouais, bien ça, où est l'entrée? Elle devrait être par là. Où est l'entrée de cette base? Où est l'entrée de cette base? J'en suis jamais rentré, je suis jamais rentré là-dedans, hein, donc ouais, le mieux souvent c'est se planquer puis d'arroser. Hein. Se plante, se bug. Par contre, faudra que je répare le truc parce que là, faudra que j'aille dans l'espace et que je répare parce que autrement, ça risque d'être drôlement abîmé. Hein. Alors, ça tout de suite, il est bien abîmé, mais ouais, un conteneur il a pris cher, mais c'est pas grave. C'est très bien. On va se laisser, on l'a démonté, rester un peu en hauteur, juste au-dessus du cockpit. Ouais, je vais faire une réparation express. Après je peux aller me poser, la base elle est... Elle est bientôt à nous, elle est bientôt à nous. Ouais, il est quand même solide le baraquin, hein. Il a pris du coup, il a pris du plomb, mais il est toujours là. Hein. Faudra vraiment que je puisse crafter mes stations de réparation parce que. Parce que je sais pas comment tout réparer. Il y a un conteneur qui est abîmé. On va aller se poser déjà. Ah, on va aller se poser à disposition. Jolie cette petite base. On va essayer de trouver où on va pouvoir se poser. Donc il y a 4 tourelles. Hein. C'est de se poser, de trouver l'entrée. L'entrée elle est là. Ok. Donc on va aller se poser devant l'entrée. Hein. Mettre pas trop près de l'entrée pour pas être dans l'axe si des fois il y a un Rastaquer qui sort avec un lance-missile. On va éteindre tout ça. L'énergie, on n'a pas besoin. De toute façon, on a tout notre attirail. Le conteneur qui est cassé, le conteneur qui est cassé, ça devrait être peut-être celui-ci. Comme ça, on va pouvoir mettre notre auto-mineur. Et on pourra quand même faire quelque chose de sympa. Alors, est-ce que tout est chargé? On va prendre direct le fusil à pompe. Bien sûr, ça veut pas s'ouvrir. Donc, ben, si ça veut pas s'ouvrir, on va ouvrir la porte à la mitraillette. Voilà.
franchement. Bon, là-dedans, quoi, il y a des méchants, il y a des méchants, il n'y a pas de scorpions ou des conneries dans le genre. Mais ok, là-dessus. Putain, il me fait des panneaux solaires, j'en ai pas besoin des panneaux solaires, j'en ai plein. Prendre fusil à pompe. Faudra que je me fasse des recharges plasma pour. Des recharges plasma pour mon canon à plasma. Enfin, pour ouvrir les portes, il n'y a rien de plus efficace. Alors, qui y a-t-il? Non mais franchement... Quoi, il est quand même pas buté comme ça, non? Bon, filez-moi votre oseille, bande de salopards. Non? Bon, alors on va chercher le spawner. Pas de spawner par là, ok. Il tombe pas du plafond, ça c'est une certitude. Donc... Voilà, t'es très efficace, machin. Qui traîne des plantes, une tourelle. Bon, la tourelle, je l'ai laissée comme ça, je pourrais la démonter. Et le noyau est juste là, c'est très bien. On va se le faire tout de suite. Pas aller, pas besoin d'aller plus loin. Et puis là, on est bon, on est bon. On n'a plus qu'à démanteler tout ça. On va aller se coltiner, on va aller se faire les trois pélos qui traînent. Il y a une toile. Là, on rentre comment là-dedans? Comment on rentre là-dedans? Cher fringui. Pas du zirconium, ça serait bien ça. Interrupteur là, il y en a un interrupteur. La plante. Les plantes c'est de la déco, donc c'est du plastique, c'est avec le lit. Le lit fait office. Non, le lit fait pas office de plante. Mais le lit fait aussi beaucoup de meubles. Les plantes restent les plantes, on peut choisir peut-être les plantes différentes. Mais le lit il reste le lit, il faudra qu'on le craft un de ces quatre matins. Bon, ça je vais peut-être le garder s'il y a du méchant. Ça va pas dans notre print, on va avoir notre super chasseur de combat. Et puis voilà quoi, on va essayer de faire ça comme ça. Moi j'ai loupé la porte, alors qu'on fait ça, bon, on loupe la porte, on passe par là, hein. Là il y a une trappe, hein. Si je la démantellerai complètement, là j'ai les générateurs, les carbus, les générateurs, ça c'est aussi, ça prend de la bonne ressource. J'ai une porte, j'ai une porte. Ah, on peut monter par là, ok. J'avais pas vu cette porte d'ailleurs. Ah, oh, monte. Ah, ok, c'est l'accès au toit, d'accord, j'avais pas fait. J'avais pas vu, hein, j'avais pas vu. On pouvait arriver par là. Alors, des ventilations maintenant. Par contre, la cadence de tir d'un fusil à pompe, hein, elle est horriblement horrible. Non mais toi tu crois quand même pas, quoi quand même pas faire ça comme ça. Comme ça, il faut pas que j'en croise d'autres trop, parce autrement je vais avoir des problèmes quand même.
Je risque d'avoir des problèmes quand même, parce que là, ils m'ont bien démonté, hein. Mais bon, je crois qu'on est bon là. Je crois qu'on est pas trop mal là. Je crois qu'on a buté tous les petits méchants. Maintenant, je monte un peu tout ça. On l'entend tout de suite quand on n'avait plus de méchants, bah on n'entend plus les grognements. Les grognements. S'il n'y a plus de méchants, il n'y a plus de grognements. Module électronique, toujours intéressant. Tranquille hein, quand même. Comme ça on pourra aller mettre nos mineurs, ça sera nickel. Peut-être pas de la démanteler totalement, hein. Enfin, on va pas perdre notre temps à la démanteler non plus, les petits loulous, mais on va pas la démanteler totalement, parce qu'elle pourrait peut-être, elle risquerait presque de repopper, donc ça serait pas forcément une bonne opération. Faut qu'on puisse, faut pas qu'elle repop, autrement, c'est la merde. On sera obligé de la dérouiller encore une fois. Donc, on va pas la démanteler totalement, hein. On va juste récupérer les trucs les plus intéressants, puis on va le laisser, puis on le démontera peut-être. Plus tard qu'on aura besoin de ferraille, hein, de la ferraille, on en a ce qu'il en faut, on en a partout. On a des vaisseaux, on a des stations, on a plein de choses. Là manifestement il n'y a plus grand chose dans le coin. Ah, faut que je voie les trucs de ventilation là. Pas ventilation, elle était où? Là. Et puis, manifestement, on n'est pas trop mal. On va laisser la reste, hein. Cargaison de ferraille, on en a déjà un bloc. Si vous voulez que tout le bâtiment s'effondre, vous coupez la base et puis le bâtiment faire bloc. Va s'écraser comme une crêpe. Et puis ben là c'est cool, on va pouvoir aller à notre petit vaisseau. Notre petit vaisseau mère, mais j'aurais dû prendre des automineurs, mais je les ai pas pris. Ce qui est bien dommage, mais bon c'est pas grave. On va aller prendre des automineurs. On va aller les poser sur nos petites mines qui sont bien, bien intéressantes ici. Pour l'instant, sur cette planète-là, et puis après on ira sur la grande. On ira sur la grande. Donc le pentaxe il est là, notre vaisseau mère il est je sais pas où. C'est dommage qu'on le voit pas, pourtant on n'est pas si loin que ça. On va aller là-bas. Mon vaisseau il a pris cher quand même hein, mais il a bien résisté hein, il a quand même bien résisté hein. Il est normal, il serait déjà parti en morceaux. Faut vraiment que je me fasse une plateforme de. C'est quoi du fer combien? Moyenne? Ouais. Du fer on n'a pas besoin. Ah, plus besoin, on démonte toutes les bases, donc de la ferraille on en a à revendre. De la ferraille blindée. Alors attention. Oups. Quoique j'ai pas besoin de le rentrer, hein. Je peux le laisser dehors. Pas besoin de rentrer, juste à le laisser dehors. Juste à le laisser là, je vais récupérer mes automineurs. Vider ça. Et puis on sera pas trop mal, je crois. Je vais vider ça. Prendre nos automineurs. Les ressources, on va les foutre. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque des bouts là. Là, il y a des manques des bouts. Ouais, mais c'est normal, c'est fait comme ça. C'est. Le vaisseau qui est fait comme ça. Donc on va mettre les plus grosses sources pures. Ça. Qui est d'amélioration d'armes lourdes. Ça peut être intéressant. Puis le reste, on va le foutre dans un petit chest là-bas derrière.
Voir le minage qu'il a donné d'ailleurs en fait, parce qu'on n'a pas regardé. Donc après, quel minage est pris en premier? Ah, c'est celui-là. Ok, on va balancer tout ça là-dedans. Bon, ça sera de toute façon tout à vider de toute manière. Il y en a 4 avant que. Il y a 4 de chest. 4 conteneurs pour le minage. Donc ça peut. C'est largement intéressant. Donc on va prendre des gros. J'en prends 1, 2, 3. Ça c'est du merde. 2. Quoique pas. Ouais, c'est des pentaxiles, on a besoin de pentaxiles, hein. Faut pas arriver. Hein. On va les poser ça sur nos petits minerais. Alors on en a là. Les moyens, ouais, donc un 3, niveau 3, ça va très bien le faire. Mais non, ça c'est le fer. Voilà, pentaxile là. Il y a d'autres gisements de pentaxyle pas loin sur cette planète, mais il y a 4 bases quoi. Donc si on veut du pentaxyle, il va falloir les défoncer. Donc on va pas trop s'amuser à faire ça là tout de suite avec ce vaisseau là. J'ai eu du mal à avoir mes petits vaisseaux quand même, on a souffert. Donc on va peut-être pas faire du. On va peut-être pas faire les faux là avec ça. Par contre j'ai pris du carburant pour me mettre dedans. Bien sûr que non, enfin il était vraiment un niais. Bien sûr, le mineur d'automineur ne marche avec du carburant. Hein. S'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'automineur. Je vais prendre un peu de carburant. Ah, je suis obligé d'aller chercher du carburant, forcément. Heureusement que mon vaisseau est pas loin. Il brille dans le soleil couchant. Ou le vent au couchant. Ou j'en sais rien du tout. Mais il brille. Il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Contre le frein, c'est quelque chose. Hein. Il manque de freinage, mon petit vaisseau. Là. Il n'y a pas assez de propulseur pour freiner. Contre la rampe, c'est bien qu'on saute dessus. C'est toujours plus sympa. On va prendre un peu de carbu. Donc, carbu de 33, ça devrait faire nettement l'affaire. Je croyais que j'avais mis des roquettes dans celui-là, mais manifestement il n'y a aucune roquette là-dedans quoi. J'ai cru qu'il y avait des roquettes dedans, mais il n'y a pas de roquettes là-dedans. Alors allez, je m'emballe sur l'automineur qui coûte cher à faire, je casse déjà avant qu'il démarre. Allez hop, carbu. Et départ. Là c'est vraiment le rouge, hein. C'est vraiment l'automineur. L'automineur V3. C'est le plus gros, le plus efficace. Il y a, je sais pas combien il y a de slots. Il y a 3 ou 4 slots. 4 au minimum. Après peut-être plus. Peut-être plus ça, les gisements étaient vraiment au pied de leur base. Mais juste au-dessus approximativement. Ça le minage il y a peut-être plus d'efficacité. Ah non, il n'y a pas 4 slots, il y en a 8. Non, 2, 4, 6, 7. Donc c'est l'un des plus gros. Celui-là, vous pouvez laisser tourner des journées. Et vous revenez, c'est bingo, 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 bingo. Donc on va retourner à notre petit sous-mer. On va se casser de là. On va se casser de la planète. On va aller sur la planète blanche, là, au-dessus. On va récupérer nos minerais là-bas. On a posé des auto-mineurs. Il faut quand même le zirconium, l'érythrium, zirconium plus important. L'érythrium on en a, il n'y a pas de souci. Mais zirconium ça sera sur la dernière planète. Donc je sais pas si on va y aller aujourd'hui tout de suite.
Mais voilà, par contre le vaisseau est pas juste. Hein. Là c'est vraiment. Je crois que c'était plus pour un hover ici en fait. Pas forcément pour un vaisseau. Pas forcément pour le vaisseau de chasse. C'était plutôt pour un hover, donc c'est normal que je me tape dessus si je me loupe. Donc ça on prend, ça on va pouvoir fermer. Ça c'est ouvert, on va fermer les portes. Ça, on va le foutre, là-dedans. Hein. Il faudra bien le vider le machin. Il y a des inventaires là, hein. Là en haut aussi. Hein. Faut juste. On a partout, j'en ai mis le maximum qu'on puisse avoir. J'ai mis le maximum pour qu'on puisse vraiment charger comme un mulet le machin. Pour pouvoir vraiment faire des grandes expéditions. Ça, t'es obligé de revenir à chaque fois à la base pour tel ou tel petit problème de carbu ou de je sais pas quoi. Donc celui-là il est full. Il est full pour l'exploration. On commande plein pot. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'on monte très vite. Hein. Je suis à la verticale quasiment, ouais quasiment à la verticale. Ah, j'ai oublié ma rampe. La rampe elle est chiante à chaque fois, ça met jamais comme il faut. Donc ben, on va aller tranquillement vers notre petite planète blanche. Est-ce qu'il y a un shop dans le coin? Non. On ira au shop et essayer de vendre déjà des choses. Attendant les automineurs, on ira choper nos automineurs et après on voit ce qu'on va pouvoir faire. Si on bouge vraiment, si on va sur l'autre planète qu'on n'a pas visité, on avait quoi? C'était on est là. Arigopal, fer silicium, néodysium, prométhium, satium, ouais. Mais je crois qu'on va peut-être essayer de faire un saut sur Irige pour pouvoir vraiment continuer à bosser correctement. Et ben voilà, chers amis, c'est fini ce petit épisode bien cool. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup. Faites partager, c'est surtout cool. Et merci à vous. Et puis écoutez, à la prochaine. Allez, à plus.